Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va partir du côté du Mali avec le nouveau titre de Yacoubé OG, ça s'appelle Damarfa. Qu'est-ce qu'on a comme crédit, comme info? Dinawan à la composition, distributeur KZ, Empire Gang, ça vient du Mali et let's go, hein. Alors. Le visuel, il est tellement mystique. Oh. En fait, je suis étonné de la prod, de la vision artistique, du contenu en fait. On n'est pas là à la recherche de tendance, tout ça. Ça kick. L'instru est vraiment basé sur des traditions, on va dire, un côté traditionnel qui ressort. En même temps, une rythmique de feu. Ah, tu vois, ça, c'est le genre de titre. J'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qu'il dit dessus, parce que ça a l'air basé beaucoup sur les lyrics. Mais tu sens qu'il y a quelque chose, hein. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose. Et il s'amuse, tu sens en fait qu'il s'amuse depuis le début avec son flow. En fait, tu sens qu'il s'est grave amusé sur le son. Et je pense que lyricalement, il y a quelque chose de très, 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 très chaud à décortiquer. Ben, dommage pour moi, hein. Mais dommage, il n'y a pas les lyrics. En tout cas, ça a l'air d'être hyper intéressant. Damarfa, ça s'appelle. C'était quand le dernier son qu'il a envoyé, Yacoubé OG? C'était 7 mois. Je me disais bien qu'il y avait un petit moment qu'il n'avait pas envoyé quelque chose. J'ai juste regardé, c'était lequel que j'ai fait la dernière fois. Yacoubé. Mais c'est vrai qu'il est très mystique ce son. Il est vraiment étonnant. C'était Rintin que j'avais fait. Il date de quand? Oh, il date d'il y a un an, non, c'est ça? Et Sally, ouais, ça faisait un bon moment où ouais, j'avais pas touché un peu de Yacoubé OG. Et je me suis dit, tiens, je vais écouter un peu ce qu'il a fait. En fait, très. On sent un peu la source de la musique, en fait, et on sent les traditions, un peu ce côté. On évite totalement les tendances, le genre qui va fonctionner, etc. On est à la recherche de vraiment quelque chose de très spécial, quelque chose de pointu. Et je pense que lyricalement, c'est là que la différence se fait avec ce titre. Il a un flow qui est très, très, très chaud, et ça kick beaucoup dessus. Et ouais, l'instru, franchement, elle te rentre dans la tête, elle est mystique, elle est mystérieuse. Il y a vraiment un énorme délire dessus, même le visuel aussi. Il y a vraiment quelque chose de spécial. Donc ouais, ça match, hein, ça match. Dommage pour les lyrics, parce que j'aurais bien voulu comprendre. Ça aurait rajouté encore plus de level à mon niveau de décortication, entre guillemets, on va dire. Mais ça a l'air d'être vraiment chaud. Donc si les gars sont chauds, dites-moi un peu ce qu'il dit un peu dans ce son. Pour voir un peu ce qu'il raconte, et je vois que ça a l'air d'être très punchy, ça kick, ça a l'air d'être en feu en fait, comment il envoie le flow. Donc ouais, c'était bouillant. Donc retour un peu quand même de Yacoubé OG depuis 7 mois qu'il a pas balancé de clip.
Donc, dites-moi ce que vous avez pensé de ce titre, de ce clip et de son retour en vrai, parce que c'est un vrai retour, hein. Ça fait 7 mois quand même, même si c'est pas énormément d'attente, mais il y a quand même une belle inactivité sur 7 mois, donc ça fait plaisir de le revoir en tout cas. Donc, dites-moi ce que vous avez pensé, c'est sorti hier. Donc voilà, ça s'appelle Damarfa, Yacoub et Oji dans la maison. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.